Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est bordélique ici. Par ailleurs, je vais essayer de... je vais faire des vidéos auxquelles je vais faire en mode sans commentaire. Auxquelles je vais rien dire pour les prochaines vidéos. Je sais pas combien de temps ça va être comme ça, mais... je vais faire ça comme ça et... Merde. C'est totalement merdé. Ah non, c'est bon. Je suis à peu près dans le bon chemin. Il faut que je rejoigne le petit chemin. Voilà. Est-ce que ça va me mener ça? C'est beau, mais c'est en même temps triste. En voyant les décombres, on voit bien que ça a été la guerre, que ça a été vraiment la merde sur cette planète. Et du coup, voilà. Ah, j'arrive à destination. Des pirates, bien sûr. Tout est en place. Voilà. Salut les salopes. Que tout le monde n'a pas entendu parler de nous. Ah, c'est un site de la République. Tout le monde n'a pas entendu parler de nous. Il est temps de faire un peu d'exercice. Ah merde, moi un champion, il est pas... Let's go.
aurait été bon à la vente, mais bon. On va éviter quand même. Tout le monde n'a pas entendu parler de nous. Que tout le monde n'a pas entendu parler de nous. Sans intérêt. Ouais, je suis pas très bien bavard là, mais bon, y'a pas mal que ça va dire. Entendu par les vieux. Thank you.
de... Oh putain! Ah d'accord! Oui, de contrôle de la République. C'était pas prévu. Ça tire quoi tout seul? Ouais, là, c'est les autres mots, tire-toi, tu sais faire qui a dit. Aïe, aïe, papa. Prochaine destination. Ouais, ça d'accord. Mais plus tard, le carrefour. Ah, j'y suis dedans. Plus ou moins, ouais. On va prendre un petit raccourci avant d'arriver au carrefour. Et je dois faire un peu de ménage dans mes poches. Notre équipe observe les populations Raccool. Sachez que cette zone est dangereuse. Veuillez patienter. Examen et recherche de produits en cours. Oh. Oh, pas mal. Je vais regarder. Service, regagnez votre poste. Ah mais... Vous voyez celle-là aussi? Je vais pas le faire. Je vous le dis, j'aurais... Salutations.
vous avez accès aux itinéraires suivants. Comment dire ? Ça va vous fatiguer de revoir et revoir la même chose en boucle. Pour certaines missions, je peux le comprendre, puisque c'est des missions un peu diplomatiques, si on veut. Mais là, ce serait trop répétitif et ça va être les mêmes choix que je vais faire. Par contre, il y aura un seul classe, une seule campagne, si on peut dire, que je vais faire un peu mon salaud, auquel je serai ni lumière ni ténèbres. C'est le contrebandier. Ce sera en rapport avec intérêt d'argent ou avoir un peu de moralité sur les. La moralité sur les conditions de certaines personnes ou événements qu'il y aura. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on verra ça plus tard. Bienvenue au Carrefour, Jedi. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de faire le ménage. Mes gars m'ont fait part de drôles de rumeurs à propos de Maître Tikkun. C'est pour ça que vous êtes là? Est-il possible de faire sortir rapidement vos hommes de ce bâtiment? On pourrait faire un exercice d'évacuation. Écoutez, que se passe-t-il? Oh merde. Te voilà. On se cache dans les tunnels? Hein? Je vois tes yeux briller. Arrête de murmurer. Je suis un Jedi. Un Jedi. Ça ne change rien. Ok, c'est lui. Lunettes si noires. Oh putain. Des flèches comme des doigts. Une roche noire qui... Attendez. L'obscurité émane d'eux. C'est ça. Maître Tikkun, vous m'entendez? Je suis venu vous libérer de ce mal. Me libérer? Ou me tuer? Mensonge! J'ai regardé dans cet endroit sombre. Mon corps était obscurité, puis lumière. Je regarde ses yeux alors que nous fuyons. Je regarde Parcanas tomber. Seul. Parlez-moi de Parcanas, Maître Tikkun. De quoi vous souvenez-vous? Arrêtez! Arrêtez! Mon ami! Non. Je refuse d'y retourner. Je vous arrêterai tous. Vous et votre carrefour, accumulant du poison comme une sangsue. Oui! Je vais libérer les gaz que vous avez volés et les ombres souterraines. Je réduirai le carrefour à néant! Que dirait Harris si elle vous voyait dans cet état, Maître Tikkun? Si lumineuse? Yuan? Sidonie? Non. Il ne faut pas. Que fera le Jedi une fois les gaz libérés? Parviendra-t-il à sauver les ouvriers avant qu'ils n'étouffent? Empoisonnés? Mais les gaz vont s'attaquer aussi au carrefour. Sans purification, combien vont mourir? Des milliers? Combien vas-tu laisser périr? Putain, il avait la tête du général Grievous. Oh, l'enfoiré. Bon, on est dans la merde. Vous sentez ça? Ce dingue a rompu la conduite de gaz principale. Monsieur, des Rakghouls. Quelqu'un est en train d'ouvrir les conduits. Les Rakghouls arrivent de toutes parts. Non. On doit évacuer ou sauver le carrefour. Je sais pas. Ne cédez pas à la panique. Les ouvriers du carrefour comptent sur nous. Je vais faire évacuer notre... Attendez. J'ai des hommes qui s'occupent de la maintenance derrière une porte anti-explosion. Le gaz doit être en train de les étouffer en ce moment. S'il vous plaît, je ne peux plus envoyer personne là-bas. Vous êtes leur seule chance. Faites-les sortir avant que les Rakghouls atteignent cette section. Bonne chance. Ok.
La vache! Non, ça c'est pas une bombe. Ah mais merde, l'ascenseur encore! Oh la vache, il est rapide celui-là! Putain, il est rapide cet ascenseur! Oui! Je vous ai déjà dit que j'étais impatient. Ah lol! Je crois que je vais arrêter mes conneries. Mon père. Je dirais que tout le monde n'a pas entendu parler de nous. Oh la vache! Ce qui me fait mal! Ça commence à bien faire. J'ai oublié qu'il y a le gaz aussi. C'est mon allié. Je ne faillirai pas. Ok, c'est parti. Ok. Y'a quelqu'un ? Oh là. Dégagez de là. À bien faire. Ok. Ça c'est bon. Il y a celui-là. Il y en a un autre quelque part. Ouais. Mais il m'en manque un. Ah bah non, pas encore toi. Scientifique.
une fois qu'il a pas tort. La merde, la porte de l'ascenseur. Ouf, c'était juste. Désolé mon gars. Ça va? Vous revoilà. On a un seul morceau. J'espère que vous avez pas trop respiré de ce truc. On a évacué toute l'équipe grâce à vous. Mais ça risque de prendre des mois avant qu'on reprenne la purification. Beaucoup de gens vont en souffrir. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. Mais Tikan ne m'a pas laissé le choix. Je vous reproche rien. C'est Tikan le responsable de ce désastre. On peut peut-être vous aider à l'arrêter. Tenez, avant de perdre la tête, Tikan étudiait l'ancienne infrastructure de Taris. Voici les données qu'il a copiées. Mais le cryptage utilisé est trop vieux. On peut pas les déchiffrer. Il doit bien y avoir quelqu'un capable de les décrypter. Les ordinateurs de la base de la République devraient disposer des codes originaux. Ils vous les déchiffreront en un rien de temps. Remettez ce bloc de données au capitaine Nelex. Il saura quoi faire. Ouais. En quoi Maître Tikan s'intéressait à ces données? Aucune idée. Mais c'est sûrement important. On y veillera. Soyez prudent, Jedi. Ouais. Allô? À vous, Jedi. Vous me recevez? Ravi de vous entendre, capitaine. J'ai peut-être une piste sur Maître Tikan. Remettez ça plus tard. On a d'autres priorités. La base est attaquée. Tikan nous a pris de vitesse. Revenez le plus vite possible. On a... Ce Tikan est du genre obstiné. Il connaît combien de cachettes au juste? Sa connaissance de Taris est inestimable. Imaginez ce qu'on pourrait en faire. Pour l'instant, contentons-nous d'arrêter ce psychopathe. Vous voulez bien? Désolé que la sienne n'approuve pas. C'est vrai que j'ai pas commencé cette planète en premier. C'était Narshada que ça aurait dû être en second. Mais bon, vu le temps qui me reste, je vais essayer d'arriver à destination le plus vite possible. Je vais m'arrêter là. Il me reste très peu de temps avant que je me fasse emmerder. Donc sur ce, je vous dirai à la prochaine. Portez-vous bien et à tout à l'heure.